Là, je la comprends pas. Elle m'a rendu complètement fou en me faisant attendre tout l'été. Depuis qu'elle est rentrée, que j'attends. Stupidité. J'ai vraiment compris que... As-tu besoin d'aide avec tes bagages? Non, c'est correct. Gabriel va m'aider, hein, Gabriel? Faudrait que je te dise quelque chose. Le problème, tu vois? Ah non, jamais. Moi, je fais tout, hein. Ah. T'exagères pas un peu, là? De mes affaires à moi. Ça nous regarde pas, de toute façon. Ouais, mais... Caroline aussi, elle en fait des gaffes, hein. Ça me fait peur, Caroline. Des fois, on dirait qu'elle a une sorte de... Ça me fait penser à Pete. La première fois que je l'ai vu, là, j'ai réagi un peu comme toi avec Caroline. Mais je me suis habitué, finalement. Il est pas si pire que ça. Il y a une chanson, On n'apprivoise pas les chats sauvages. Je pense que l'auteur, là, va connaître Caroline. On apprivoise... Hein, qu'est-ce qui t'arrive? Oh, encore une gaffe. Excuse-moi. Tu convaincs Louise de sortir ce soir? Je fais mon possible pour que les choses soient comme il faut. Cherche des meubles et des vêtements pour le bébé. En même temps, je lui prépare une chambre à elle. Elle a toujours eu du caractère. De félicitations à te faire, Julien. Qu'est-ce que j'ai fait? Ça va mieux que ce matin? Ouais, ça va un peu mieux. Tu sais, j'ai envie de regarder autour de moi. À la télévision, par exemple, ils font attention. Non, c'est plus vrai, là. Ils ont peur de dire certaines choses. Ben, peut-être pas, mais au moins, je vais en parler. Hey, faut pas se laisser faire, hein. Faut réagir, il doit sûrement y avoir quelque chose à faire. Puis la violence, là, puis la pauvreté, je vais en parler de ça aussi, puis je vais trouver des solutions. De toute façon, là, je vais avoir l'impression que ça bouge. Non, j'ai besoin de but. J'ai besoin de me sentir utile. Sais-tu quoi? Je vais faire de la musique aussi. J'ai pas de temps à perdre, hein. Faut que ça bouge. Ça va crier, ça va me traiter de tous les noms, mais au moins, ça va réagir. Si je peux t'aider, hein? Peut-être bien. Peut-être bien. Bref, c'est pas heureux. Merde, si seulement elle faisait un effort, hein? Mais peut-être qu'elle est pas d'accord avec ce que tu fais. Je pense pas que c'est à elle que tu devrais dire ça. Elle dit que ça va, que tout est parfait. Mais moi, je pense que ça ne... Oh là là! Pas pire. Non, mais tu es sérieux, là. Julien Philippe. Ouais. Qu'est-ce que je fais aussi? Ça prend les autobus, hein? Non, mais il faut qu'elle fasse attention, hein? Hey! On avait un... On est tous racistes. Non, racistes. Comment vous réagissez? Ça dépend. Il y a les autres aussi. Tino, puis il y a les Blancs, puis il y a les White Power. Hey, il y a une gare, puis il y a personne qui fait rien. Aussi. On dirait qu'on fait rien, on préfère le métro, hein? Si on se mettait ensemble. On serait combien? 500? 1000? 5000? Après la police, après les gouvernements. De toute façon, ils peuvent rien faire. La réalité, là, c'est que c'est à nous autres d'amener le changement. À nous, au contraire. Après Robin des Bois, Julien Desvilles. Mais non, mais je veux du changement, pas vous autres. Mais oui, mais c'est pas si Julien, là. Il y a sûrement un moyen. Non, mais si les parents sont quelques-uns, je te dis, hein, c'est un peu de leur faute quand même, non? T'as raison. Puis tant qu'on en parle, moi, c'est ça que je veux. Je veux qu'on en parle. Julien. Excellent! Hey, Julien, le gâteau! Bon, ben c'est une excellente idée, ça. C'est pour nous autres. Vive le bénévolat, je suppose. C'est pas la meilleure, mais c'est une solution. Ben moi, j'ai déjà fonctionné sans personne. Hein. Étienne, je suis sûr, est capable de m'aider à retrouver nos contacts. Oui, mais tu sais ce que je t'ai dit. Ils peuvent t'interdire de le faire. Julien, il faut que tu fasses attention à ce que tu écris. Nal, il est libre. J'ai une idée. En tout cas, moi, mon cas est réglé. Si tu veux m'aider, Étienne, je vais essayer de faire le journal sans eux. Attends, moi, je vais y aller maintenant, parce que je veux savoir qu'est-ce qui se passe. En plus, on a une réunion. Je vais.
Caroline va sûrement passer par là avec des têtards comme Marc-André. Je pensais pas qu'il y avait encore des gens qui partaient des choses comme ça. Avec toute l'information qu'on a aujourd'hui. Dis, je pense que je sais de quoi il s'agit, mais c'est pour ça qu'il va leur mettre à fond. Bon sang. Je devrais aller me coucher. Toujours fatiguée. Écoutez. Ah oh, oui. Ah, je suis fatiguée, mais surtout l'après-midi, Laura a téléphoné. Quand est? J'ai. Mais nous, faut faire l'info, Hélène. Oui, j'ai. Excuse, j'ai toujours senti que c'était important. Hélène, je veux que tu m'aides. On va parler, hein, faites quelque chose. Bon, faites pas cet air-là, regardez-moi pas de même. Faites donc comme si j'avais rien, là. Faites-moi donc confiance. Bon, ben faites donc comme si j'avais rien dit. Je n'ai pas terminé! Je suis heureux d'apprendre. Je n'ai pas terminé. Mmh.